Amis, frères et sœurs, qui n'a pas traversé un jour ce désert aride que l'on nomme l'injustice ? Qui n'a pas été habité par cette impression bizarre qui laisse dans le cœur et sur la langue le sentiment amer de l'impuissance et de la révolte ? Qui ne s'est jamais senti écarté, délaissé, abandonné, alors qu'il recherchait ou disait la vérité et qu'il n'a pas été cru ? Et qui n'a pas découvert par la même occasion cette envie sourde de rendre le mal pour le mal ou de faire justice soi-même ? Chacun, chacune connaît à un moment de sa vie ou à un autre l'obligation d'attendre que justice soit faite, pour une chose ou pour une autre. Et bien souvent, cette justice tardant à être faite, le découragement le saisit, si ce n'est la résignation qui l'emporte. Tant pis, je laisse tomber, puisque rien ne bouge. Alors, contre toute attente, voilà une histoire de l'Évangile particulièrement séduisante. Une parabole de Jésus qui convient bien. Une femme, veuve de surcroît, vient à bout d'un juge inique, voire cynique, de quoi faire rêver dans notre contexte actuel. La parabole met en scène un juge et une femme veuve qui ont des relations pour le moins tendues. Le juge ne s'intéresse pas au cas de cette femme qui lui casse les pieds, en tout cas la tête, et la veuve insiste de toutes ses forces pour obtenir réparation. Elle veut que justice soit faite. Et elle y arrive. L'histoire est encadrée par une introduction significative. Jésus leur dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Et une conclusion surprenante, Dieu fera justice à ses élus encore plus vite que le juge unique, mais la vraie question reste celle-ci, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alors, la parabole s'oriente autour de trois axes, la prière, la justice et la foi. La prière. Il faut toujours prier, dit l'évangéliste Luc, et de préférence sans se lasser. Mais Luc, dans un chapitre précédent, le numéro 11, a déjà raconté une autre parabole, celle de l'ami opportun qui insiste tard dans la nuit pour que son ami lui donne du pain pour des voyageurs arrivés sans prévenir. Et il insiste tant et si bien qu'il reçoit effectivement le pain demandé. L'entêtement contenu dans la prière est récompensé. Mais ici, c'est autre chose. Notre histoire va plus loin. La femme veuve demande autre chose que du pain pour ses amis. Elle demande que justice soit faite. Et elle pousse le juge dans ses retranchements jusqu'à ce que justice soit faite. Elle veut simplement qu'il effectue son travail de juge, qu'il ne se dérobe pas à la fonction qui lui incombe. Elle l'oblige à prendre et à assumer ses responsabilités et qu'il ne soit pas le chaînon manquant pour faire advenir le royaume. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette parabole, faire advenir le royaume. Alors, la démarche de la veuve peut agacer, déranger, mettre mal à l'aise parce qu'elle dénonce en fait un dysfonctionnement. Alors que si chacun remplit sa part du contrat, le dysfonctionnement disparaît et le royaume peut alors advenir. La justice, cette parabole, est bien plus dérangeante qu'il n'y paraît. Et pour une fois, elle encourage chacun et chacune à ne rien lâcher tant que justice n'est pas faite. Elle encourage, pour ne pas dire exhorte,
Chacun et chacune à sortir les cadavres planqués dans le placard depuis des lustres, à enlever la poussière cachée sous le tapis, tout simplement parce qu'à force de la cacher, cette poussière, on se prend les pieds dedans. Cette histoire a pour but de dénoncer toute forme d'injustice à tous les niveaux de la société, du travail, de la famille, de l'Église, surtout lorsque ces injustices sont devenues systémiques. Alors, me direz-vous, mais c'est une lutte sans fin depuis la nuit des temps, tout simplement parce qu'il faut du temps pour lutter contre la banalité du mal, selon l'expression de la philosophe Hannah Arendt. Mais si on ne lutte pas, alors ce mal finit par nous rejoindre, nous rattraper, voire gagner sur nous, soit que nous le subissions, soit que nous le commettions. Finalement, on y participe plus ou moins à ce mal quand nous baissons les bras devant la violence, devant les discriminations de toutes sortes, devant la pauvreté, devant le sexisme ou le racisme, devant l'obscurantisme aussi. Alors au fond, la véritable tentation, c'est de hausser les épaules en signe d'impuissance ou de résignation, au lieu de hausser le ton pour dénoncer ce qui ne va pas. Et on a tort de ne pas faire entendre sa voix quand ça ne va pas. Une petite voix qui demande inlassablement que justice soit faite fait beaucoup plus de bruit que celui de tous ceux qui crient des horreurs parce qu'ils ne croient en rien ou ne craignent plus personne. Et la surprise de cette parabole réside dans le fait que pendant un instant, Jésus compare le juge inique à Dieu. Si le juge inique cède à la requête de la veuve, alors il n'y a pas de raison que Dieu, qui est justice par excellence, ne rende pas justice à celui ou celle qui le demande sans se lasser. En fait, cette justice est déjà rendue et en même temps, il ne faut pas se lasser de la demander. Cette justice est comme le royaume, déjà là et pas encore là. Le croyant vit dans cette tension du déjà là et pas encore. Jésus dira sur la croix, tout est accompli, mais pour celles et ceux qui sont au pied de cette croix, tout reste à faire advenir. Et lorsque Jésus dit en conclusion de sa parabole « Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est de cela dont il s'agit. Est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui auront soif de justice ? Ici, dans cette histoire, la foi, c'est avoir faim et soif de justice, comme le proclamait Jésus dans les Béatitudes. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux êtes-vous chaque fois que justice est faite. » Ici, dans cette parabole, la veuve fait entendre sa voix, le juge inique finit par lui rendre justice. Rendre justice, faire justice, cela prend du temps, de nombreuses années parfois, simplement parce que les victimes ont eu leurs paroles confisquées, ainsi que celle des lanceurs et des lanceuses d'alerte, qui pourtant à bien des moments ont essayé d'avertir, d'informer, de dessiller le regard d'une société, d'une famille, voire d'une église trop longtemps aveugle et sourde. Et c'est ainsi que le royaume, si cher au cœur du message du Christ, avance d'un petit pas, d'un pas menu, certes, mais avance tout de même. Et c'est le plus important. Le royaume est déjà là, tout entier, dans le Dieu de Jésus-Christ, mais il reste à le faire advenir par nous, croyants imparfaits, croyants aux mains nues, que nous croyons en un Dieu ou que nous croyons en l'être humain. Et si par hasard nous croyons en Dieu, alors méfions-nous de ce que nous croyons. Et surtout,
examinons le Dieu en qui nous croyons. Quelle est la représentation de Dieu que nous avons et que nous véhiculons? Est-ce encore celui d'un vieillard barbu assis sous son nuage, dirigeant tout du haut de son ciel, ou est-ce l'image de Dieu qui s'est incarné en un homme, Jésus de Nazareth, venant vivre au milieu des hommes, proclamant un Dieu avec les hommes et non contre les hommes? Selon ce que nous croyons, ça change tout. La foi. Cette parabole de Jésus nous invite à faire attention à ce que la foi que nous professons ne soit pas un déni d'humanité. Le discours que nous entendons régulièrement et peut-être plus en ce moment nous ouvre à la vigilance de notre annonce de l'Évangile. Il semble bien qu'aujourd'hui encore, une certaine prédication chrétienne est parfois la plus grande pourfendeuse de l'humanité, pour reprendre un thème écrit par Raphaël Picon. Cette parabole parle à notre cœur, mais aussi à notre intelligence, car nous savons bien que l'injustice existe toujours. L'injustice a toujours été de mise et il est bien difficile d'avoir le courage de lutter contre elle parce que c'est un puits sans fond, que ce soit du temps de Luc ou d'une autre. Lutter contre l'injustice, au sens large du terme, c'est une manière de lutter contre le mal. Et c'est exactement ce que nous demande la veuve de notre parabole. Alors cette parabole nous interpelle-t-elle ce matin? Sommes-nous sensibles à l'image de cette femme démunie qui n'a personne pour la défendre, personne pour l'accompagner? Elle ne compte que sur elle-même et sur l'intensité, la répétition, l'obstination de sa demande, que justice soit faite. Cette parabole se place du côté des victimes, des petits, des laissés pour compte qui s'entêtent à demander chacun à leur manière que justice soit faite. Avec quelle foi recevons-nous cette parabole? Sommes-nous en adéquation avec le Dieu qu'annonce Jésus le Christ? Marion Muller-Collard témoigne ainsi dans son commentaire de cette parabole: « Ce Dieu dont nous parle Jésus n'est pas seulement un Dieu juste, il est justice avec un J majuscule. » Justice d'ores et déjà donnée, accomplie, acquise. Alors, pourquoi demander? Parce que nous ne sommes pas encore dans le royaume où toutes les justices fusionneront. Parce que le règne spirituel et le règne temporel, comme le remarquait Luther, sont encore indistingués. Parce que l'Évangile souligne sans cesse la tension entre l'espérance ancrée dans cette justice à laquelle Jésus donne visage et le combat à mener pour la justice dans le monde. Fin de citation. Les temps que sont les nôtres sont troublés. Notre foi est éprouvée. Et c'est bien là la question que Jésus pose à la fin de son histoire. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce que la foi? C'est avec cette question qu'a démarré le brunch libéral hier matin à la salle Mono avec Béatrice Cléromazir et Vincent Hubach. La parabole d'aujourd'hui nous donne une réponse parmi d'autres possibles. La foi, ce n'est pas seulement la confiance et l'espérance, mais c'est ici un désir inassouvissable de justice, un désir que Dieu a placé en nous et en lequel il place sa propre espérance. Finalement, le plus entêté de notre histoire, c'est encore Dieu. À travers le personnage de la veuve, c'est Dieu qui croit en l'être humain.
Encore faut-il que nous y croyions nous-mêmes. Et si nous disons que la foi soulève les montagnes, alors nous finirons bien par nous lever à notre tour pour aider les autres à se relever, dans le seul but d'être des hommes, des femmes et aussi des enfants, debout. Synonyme même, image même d'un peuple ressuscité, suscité à nouveau. Et permettez-moi de paraphraser Albert Schweitzer en quelques mots, qui sera ma conclusion. Ainsi sera insufflée une nouvelle vie, ainsi naîtront de nouvelles actions adaptées aux besoins de notre temps, ainsi pourrons-nous contribuer à l'achèvement du monde, ainsi deviendrons-nous des enfants du royaume de Dieu. Que la foi demeure et que notre joie d'en vivre demeure aussi. Amen.